Et salut à tous, c'est Giroud. On se retrouve pour une vidéo pas spéciale, mais pour un combat, le combat contre le golem. Et c'est tout. Alors moi je me suis aménagé une petite arène, ça commence à exploser. C'est bon. Le son me semble un peu fort, mais c'est parce que j'ai le casque qui l'est aussi. Donc, un combat contre... Je sais pas si ça les fait péter en fait que je passe. Contre le golem, je me suis fait quelques potions au cas où. Je me suis pas activé mais récupéré. Récupéré donc le altar. Que je peux donc utiliser à ma guise. Hop. Et que je vais utiliser maintenant avec une power cell récupérée aussi dans le temple, les ruines, the runes. Donc c'est parti. Donc moi, ma technique c'est d'abord de... Alors ça c'est vraiment le genre d'arène dégueulasse. Hop, je peux me boire les potions si j'ai envie. Et il a mal tout seul, j'ai juste à spammer le clic droit sur le levier. Et il se blesse tout seul. Je vous expliquerai cette arène un peu plus tard et peut-être que j'en ferai un tutoriel aussi. Bon, vu que c'est pas marrant, on va aller l'attaquer au corps à corps quand même. Il me fait mal, hein. Hop hop hop, on va lâcher vite fait. Bon, alors que dire? Bon, à la fin je suis allé faire un vrai combat parce que sinon c'était très 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 lent. Alors il faut savoir une chose. Moi cette arène je l'ai aménagée ici. Comme ça c'est pas trop loin de ma base. Après une autre chose. C'est que le feu, les pics vous font mal à vous comme ils font mal aux mobs, surtout au golem. Ce qui est pratique justement pour le coincer. Ensuite, le golem, à part sa tête qui vole à la dernière étape, il ne passe pas à travers les blocs. Du coup, il est bloqué ici en vous pourchassant parce qu'il vous suit. Du coup, vous êtes là, au-dessus. Ensuite, j'ai mis un feu de camp, une lampe en cœur et du miel. Comme ça, j'ai la régène qui est énormément augmentée. Comme ça, au moins, je récupère la vie assez vite. Désolé. Mon chat qui vient de rentrer, il me miaulait dessus, je sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est vraiment la situation où j'ai tout aménagé. Je sais pas si je peux... Non, je peux pas le vous montrer. Ah, si. Voilà, les fils, hein, y a pas grand-chose. Encore un autre truc. C'est...
Donc l'altar, vous pouvez pas le déménager si vous n'avez pas la pixo, la pioche droppée par le golem. Donc pour cela, vous devez juste aller le farmer dans les ruines, l'endroit où il se trouve. Vous pouvez faire quand même la ferme là-bas. La seule différence, que vous aurez les mobs par-dessus. Donc sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Ciao!